Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode en carrière joueur. Aujourd'hui, c'est le mercato hivernal. Voilà, nous sommes en janvier 2027. Pas forcément trop de nouveautés. Donc là, on a les nominés pour l'équipe UEFA. Enfin, non, les nominés, oui, pour l'équipe d'UEFA de l'année 2026. Attaquant nominé, donc c'est pas le ballon d'or. Hein. Donc voilà, on a Parker qui est bien sûr là aux côtés de Dybala. Dybala qui est aussi. Élu, je crois qu'il était nominé pour le Ballon d'Or, voilà, aux côtés de trois ou deux autres joueurs de Manchester City, enfin trois autres joueurs de Manchester City, il me semble. Donc voilà, Dybala, il est en très grande forme avec la Juve apparemment. Également, bien sûr, Neymar aussi qui a quitté donc le Paris Saint-Germain, voilà, qui a quitté le Paris Saint-Germain pour 37 millions. Il a 34 ans. Donc quand même, pour 34 ans, mettre 37 millions, il faut les mettre quand même aussi. Hein. Mais voilà, il est parti du côté du PSG pour rejoindre l'AS Roma. Donc là, pour le coup, Neymar a vraiment quitté le PSG. Au niveau du classement, nous sommes actuellement 3e. Voilà, 19e journée, 37 points. Donc c'est assez serré quand même, même si là, ça commence un petit peu à se détacher. Donc voilà, et au niveau du calendrier, eh ben, on se retrouve aujourd'hui donc pour Montpellier. Quart de finale de Coupe de la Ligue et un match face à Nîmes. Donc voilà, et dans le prochain épisode, on se retrouvera pas pour les trois matchs qui arrivent, mais plutôt pour les matchs d'Europa League face au club italien Naples. Voilà, on aura le PSG également. Par contre, on a un jour de repos, donc ça c'est encore le petit souci. Donc on verra si je pense que je simulerai pour être sûr à 100%, pour être à 100% face au PSG. Le problème c'est avec mes coéquipiers, quoi, ils vont pas être à 100%. Surtout que des fois le coach ne fait pas forcément tourner. Donc on verra bien comment ça va se passer. Au niveau de la composition, donc pas forcément trop de changements. Un petit peu quand même en défense, ça a l'air d'être un peu plus solide quand même. On a Oxon, je crois que ça se prononce comme ça, notre, qui est le second attaquant à côté de moi, qui a marqué un triplé. C'était je sais plus contre qui, mais il a marqué un triplé, donc c'est un bon petit joueur. Hein. Donc voilà, 81 jeux de général, donc il est plutôt bon, il est plutôt bon. Du coup, let's go, on est parti pour ce match face à Montpellier. Allez, on est parti, le classement vite fait. Donc là, ça parle un peu du Paris Saint-Germain hein, qui ont un peu de mal. Allez, let's go. Donc, comme je vous ai dit, des matchs un petit peu, enfin des matchs tranquilles, oui et non, mais il faut prendre quand même les 3 points. Et pour l'instant, voilà, on vise, l'objectif c'est quand même le top 4, histoire qu'ils soient qualifiés pour l'Europe la saison prochaine pour Lyon. Après, le mieux, ça serait quand même la Champions League. On va mettre un 5-3-2 pour ce match. C'est dire qu'il a des ambitions dans le jeu. Mais pour l'instant, au niveau du classement, ça va. On est bien classé. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en penalty. Ouais, penalty. Penalty. 4e minute, ça commence déjà bien. Maintenant, faut le mettre le penalty. On l'a mis le dernier qu'on a mis. Mais bon, le gardien n'avait pas forcément bougé. Et là, clairement, il y avait un retard, mais alors on a bien fait de donner ce ballon. Allez, c'est parti. Et voilà. Ça fait 1-0. Alors, je sais pas pourquoi j'ai cette. Je sais pas s'il y a un bug de célébration. Comme je vous ai dit, j'ai joué le match face à l'OM. J'avais mis la célébration pour. Au cas où, si je marquais pour le marque de respect. Voilà. La célébration marque de respect. Comme signature, donc la célébration de personnel et en tant que signature, c'est en gros quand vous faites croix, ça vous met cette célébration que vous avez sélectionnée. Et là, en fait, j'ai choisi, donc j'ai mis une autre célébration et ça m'a pas fait du tout la célébration que j'ai sélectionnée. Je sais pas ce qu'il y a en fait, je crois qu'il y a un bug dans les célébrations, je sais pas du tout, mais j'avais pas mis cette célébration du petit point levé là. Je sais pas pourquoi, je sais pas, je comprends pas trop. Les célébrations sont un petit peu buggées, j'ai l'impression. Donc voilà, j'ai pas mal avancé et j'avancerai quand même, enfin pas mal après. Enfin après ça va aller beaucoup plus vite, on aura les matchs d'Europa League. Donc en fonction de si on se qualifie ou si on se qualifie pas, ça ira vite. Et ensuite on retrouvera le Borussia Dortmund. Donc le Borussia Dortmund auquel, bien sûr je pense rester, voilà, pour cette dernière saison finir à Dortmund. Puisque j'avais pas remporté forcément de trophée. On a Fekir également qui a rejoint le Borussia Dortmund. Alors là encore une fois je suis pas sûr à 100% mais il me semble. Donc voilà, j'ai finir tranquillement cette carrière avant la sortie de FIFA 20. Donc normalement ça devrait être bon au niveau du délai. J'espère vraiment juste
voilà, pas marqué forcément trop de pause entre la fin de ma carrière et le début de la nouvelle carrière sur FIFA 20. Voilà, j'espère qu'on pourra enchaîner juste directement derrière avec FIFA 20. Oh là là, cette passe! Oh là là, dommage! Oh, cette passe là! Oh là là, il l'avait mis entre les jambes du gardien en plus, mais malheureusement, c'est pas cadré. Oh, c'était pas mal tenté. Hein. Les Lyonnais qui essaient de porter le danger. Et voilà, Hodgson, en position pour centrer, auquel il avait mis un triplé. Oh là là, j'étais tout seul. J'étais tout seul. Allez, 2-0, le petit doublé, ça fait plaisir. On va peut-être viser le triplé là. Là, c'est peut-être le triplé pour ce match-là. On voit que le gardien touche le ballon, mais ça n'a pas. Mais le centre était parfait. En fait, j'étais pas tout seul. Hein. J'étais vraiment entre les deux joueurs de Montpellier. Mais le centre est vraiment bien tiré, en fait. Tout simplement. J'étais un petit peu trop en arrière, mais j'ai réussi. Un petit but de la tête, ça fait plaisir. Et là, ils ont un bon coup à jouer. Attention, il va frapper. C'est contré. Oh, c'est bien donné derrière. Ouais, 3 minutes de temps additionnel. Comment il va la jouer celle-là? On va essayer de mettre le triplé. Hein. Il y a moyen. Il y a moyen. Le triplé. Juste avant la mi-temps. Et ben voilà. Il est en pleine confiance, ça se voit. Oh là là, il est bien placé ce ballon. Il est bien placé. Et ça passe. Oh, entre les jambes du défenseur. C'est magnifique. Boum! Ah ouais, là, ils y sont pas du tout. Ils y sont pas du tout. Le quatrième but pour le capitaine qui nous avait déclenché une frappe incroyable. Je sais plus c'était quel match. Enfin bref, Monaco, je crois. Je sais plus. Qui nous avait marqué un but à la 90e minute, comme ça, en dehors de la surface. Et il me semble que c'était face à Monaco, hein, pour le match nul. Et ouais, il me semble que je crois que c'est la première fois que je mets un triplé en une période. Pourtant, ils ont l'air d'avoir quand même quelques bons joueurs. Je veux dire, ça, ils vont mettre un but. Oula. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Oh là 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 là, oui. Et c'est notre quatrième but pour nous, surtout. Il est incroyable ce match. Ce nouveau but, on a vraiment l'impression que les Lyonnais. Oh, là, paf, à ce moment-là, j'étais hors jeu. J'ai eu le réflexe de bien me réaligner de nouveau derrière. Et heureusement, parce qu'il me l'a donné juste derrière. J'avais peur d'ailleurs d'être hors jeu à ce moment-là. D'ailleurs, il y a un défenseur de Montpellier qui lève le bras. Bon, autant vous dire que pour finir meilleur buteur, là, on est bien parti. Là, on est bien parti. Est-ce qu'on va nous mettre. Ah, voilà, 15 buts. 15 buts en Ligue 1. On a Rodriguez qui est très très chaud. On a surtout des coéquipiers qui nous donnent des bons ballons aussi. Quel match, je m'attendais pas à mettre ce 4 buts dans un match. Ouais, lumineux cette passe. Oh là là, dommage, dommage que ce ballon il est pas passé. Et encore une fois, je voulais y aller tout seul. Hein. Je voulais y aller tout seul. Mais bon, on a marqué quand même pas mal de buts comme ça. Par contre, ça serait bien qu'on garde cette petite note là parce qu'elle est pas mal. Elle est pas mal cette petite note de 10 là. Là aussi je voulais frapper, on va la donner. Et on a bien fait. On a bien fait parce que derrière, ça en profite, ça fait 6-0. Et en plus c'est un joueur qui a fait son entrée, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Il va frapper. Oh le poteau. Ouais, ça serait bien quand même de garder le petit score comme ça, parce que bon, un petit but, ça gâcherait un peu le truc. Pas très chanceux sur cette action, vraiment, ça sentait le but. Est-ce qu'il passe? Ah, oui, ah, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Oh là là. Oh non. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Ouais, la frappe. Je me souviens plus de la. Il me semble qu'on peut voir la plus grosse victoire dans chaque club auquel on est passé, il me semble, je suis pas sûr. Non, je crois que c'est peut-être en carrière manager qu'on peut le voir ça. Notre plus grosse victoire. Je sais pas si en carrière joueur on peut le voir, je crois pas, il me semble pas. Et ben voilà. Victoire 6-0 face à Montpellier. Alors là, je m'attendais à tout, mais sauf à ça. Hein. On récupère le ballon.
Les autres résultats, le Paris Saint-Germain qui gagne 2-0 face au LOSC. On a le Stade Rennais qui a fait match nul face à Monaco, donc ça c'est plutôt bon. Alors, au niveau des transferts, Hakimi, il était pas au Real Madrid de base? Attendez, il était bien au Real lui avant. C'est le Marocain là. Ok. Bah, ils l'ont refait revenir, bah, c'est plutôt cool pour le Real, c'est un bon joueur. Donc voici les clubs qui restent en Coupe de la Ligue. Donc bon, ça a l'air d'aller quand même, hein. Ça a l'air d'aller. Va falloir quand même faire attention, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. Et bah du coup on prend la première place avec 40 points, égalité... Oh, on est 3 clubs! 3 clubs avec 40 points. Ah ouais, c'est très très serré, hein. Guingamp, je trouve qu'ils ont un super beau maillot. J'adore le rouge comme ça, avec au niveau du cou là-haut. Ou du col avec les petites cases blanches, noires là. Je trouve ça vraiment stylé, même comme ça là, avec le rouge. Ah, il pète sa mère, hein. En noir, j'aime un peu moins, mais franchement, c'est pas mal, hein. Allez, on est parti. On a Dali qui est un petit peu fatigué. Souza également. Ça serait cool de pouvoir aller au bout de la Coupe de la Ligue, surtout en vue des équipes qui restent. Il y a moyen, il y a clairement moyen. On est parti. Je pense au vu des équipes qui restent, l'objectif c'est quand même d'aller au moins en finale. Il y a vraiment... Oula, ok, d'accord, si je commence comme ça déjà, ça va pas le faire. Alors, on se rattrape derrière. Allez, le premier ballon en profondeur. Et la frappe qui est totalement écrasée. Oh, c'était pas mal ça. On joue un peu trop la baballe là. Ça défend bien du côté de Guingamp aussi, j'allais dire du côté de Montpellier. Par contre, il joue très très bas Guingamp. C'est plutôt une séance d'attaque défense à laquelle on assiste. Oh oui, il est pas mal. Il est pas mal. Oh, dommage. En profondeur, oui, bien vu. Oh. La passe en profondeur. La petite feinte. Et là, il la frappe, il enroule. Oh, non, il frappe en force, c'est bien fait. Alors, également aussi, alors ça a confirmé, mais j'ai vu une petite nouveauté sur FIFA 20. Enfin, c'est plus une capture d'image, mais quand vous allez marquer un but, on pourrait avoir genre une nouvelle angle de caméra. En gros, une angle de caméra en haut des tribunes avec les supporters sur certains stades. Et je pense que ça serait plus sur après une fois qu'on a célébré quoi. Enfin, ça reste à voir, quoi. Ça reste à voir. Il y a moyen qu'il y ait des nouvelles angles de caméra. Oh, ça peut tout changer, c'est ben voilà. Ouverture du score. L'Olympique Lyonnais qui progresse dans le camp adverse. Oh là là. Oh dommage. Allez, on est reparti. Et il me semble que c'est ma 10e passe de la saison. Donc en termes de passe, je suis pas mal aussi, hein. Franchement, c'est... Offensivement, mon retour en Ligue 1, il est plutôt pas mal, hein. Un peu plus de 15 buts, 10 passes. On est pas mal, hein. Il n'y a personne pour contrer l'action des Lyonnais sur les côtés. Ah dommage, j'essaie de donner le petit ballon sur le côté. Oh là 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 là. Allez. De se détacher dans cette rencontre. Une frappe soudaine du coup de pied qui finit sur la droite. Oh là là. Le but sous un autre angle. Je pensais vraiment pas la mettre, hein. Ah, elle bouge pas, elle reste droite en plus. Ah, Fabinho qui est... La somme qui a été déboursée dans cette qui est partie du côté de Manchester City. Alors City, franchement, je crois qu'ils ont les plus gros joueurs, hein. Ils ont clairement les plus gros joueurs de... C'est déjà pour avoir dans les nominés du Ballon d'Or 3 joueurs de City et juste Dybala. Ils doivent avoir une équipe de malades, hein. En tout cas, d'ailleurs, en parlant d'argent, il y a le budget, les budgets qui sont sortis là sur la carrière. Enfin, les budgets officiels, alors ça peut changer un petit peu, hein, mais ça sera sûrement les budgets. Donc, bien sûr, le Paris Saint-Germain est le plus riche avec, je crois, 184 millions, il me semble. On a Lyon et Monaco qui auront 40 millions de budget. Et on aura Marseille qui aura 18 millions, il me semble. Non, oui, si, 18 millions de budget de transfert.
Ouais, va falloir se serrer les côtes un peu avec l'OM. Mais bon, c'est un petit peu ce qui se passe en ce Koulibaly. moment, hein. Du côté de l'OM, malheureusement, on a des Stanislas problèmes Onyeka. d'argent. Et bon, ça après, Et ça prend un vous retrait. faites une première saison, il suffit que vous fassiez une bonne première saison et le budget il change quoi. C'est Koulibaly. juste que bon, voilà, Ah, le, ils ont si par beaucoup à exemple vous jouer faites là, une carrière attention. manager avec l'OM là, lors de la première saison, bah vous allez pas pouvoir faire des Attention. folies. Oh oui! Allez, le 3-0 à 5 minutes de la fin. Oh, l'équipe est chaude, hein. L'équipe est chaude, nous on discute tranquillou. Je sais pas trop ce que je fais des fois sur le terrain. J'essaie Et de donner encore des un bons but, ballons. histoire de parachever cette Mais eux ils belle continuent, victoire. font, Oui, puis histoire de passer aussi les voilà, dernières ils minutes font vraiment des belles petites tranquillement. passes. Notre réalisateur qui nous montre le but Parfait. avec une autre Allez, caméra. on continue en Coupe de la Ligue et ça fait Alors, plaisir. assisté et remplacement ont été On ajoutés est par rentré dans le temps l'arbitre. additionnel. Oh, c'est bien volé Attention! en profondeur. La tête Ah bah qui non, ça n'inquiète donnera pas du tout absolument l'arbitre. rien. Ouais, là, on Et était bah voilà, déjà dans victoire cette position 3-0 face offensive à de l'OM Guingamp. On avec un continue en coup Coupe de la Ligue. L'arbitre, tu siffles quand tu veux. Voilà. franc. Et voilà, c'est On continue arrivé en à Coupe de la Ligue. On l'instant. va Une voir qui c'est victoire qu'on en va plus sur ce affronter. score de 3-0. Mais je pense qu'on est bien parti. Hein. On est Allez, bien ça parti y pour est, aller ils la sont chercher en cette Coupe de la Ligue. demi-finale. Voilà, le LOSC qui a gagné son match face à Caen 2-1. Regardez. Annonce de l'équipe UEFA de l'année 2026. Mais il n'y a que des joueurs de City. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a que des joueurs de City. C'est incroyable. Gardien Manchester City, dans les défenseurs Manchester City, Manchester City. On a Pavard qui est du côté de l'Atlético Madrid. On a qui d'autre? Ensuite, on a au milieu de terrain bah, Tolisso qui est à Manchester City. Il y a pratiquement que des joueurs de Manchester City. En attaque, c'est que des joueurs de Manchester City. Il y a un joueur du Bayern. Le match face à Nîmes Olympique, le dernier match de cet épisode. Voilà, histoire de garder cette première place parce que ça reste encore serré. Ça reste serré, c'est vrai. On est à 20e journée. Le PSG qui est remonté quand même. Le PSG qui est remonté, qui a joué la 21e journée, c'est pour ça. Ils ont joué la 21e journée en avance. Au niveau de la composition, ça change pas. Dali qui est toujours un petit peu fatigué, mais ça lui empêche pas de marquer des buts. Et notre défenseur dans le couloir gauche également. Les entrées 41 buts sont marqués, légitimes meilleur en côté Ligue 1, Toulouse. 36 buts Toulouse va essayer de faire encaissés. court, hein, la meilleure attaque Oula! accueille la plus mauvaise défense. Donc Donc là, a peut-être priori, qu'on va se faire on plaisir pourrait être aussi. étouffé par le suspense. C'est l'équipe qui encaisse le plus de buts. Et bon, on va bien voir. On va bien voir si on est dans la même forme que face à C'est parti, Montpellier. le coup d'envoi donné par le. Ah bah pour l'instant, les 10 premières minutes, c'est possession pour Il Nîmes, hein. prend sa chance. Possession pour Nîmes, mais Oh voilà, oui, il faut une que je parle à rentrée chaque fois pour fulgurante qu'il mette un but. C'est encore. incroyable. Une Je le rentrée sens. qui démarre à fond. Par contre, Centre combien de fois ça magnifique passe ces arrêté par ballons là l'arrière dans sur la l'axe comme droite. ça? Ça nous... On a encaissé pas mal de buts, hein. Des buts comme ça, on en a L'arbitre va encaissé remonter sa vraiment pas pelouse. mal. Malgré qu'on ait un. Ouais, déjà, le ballon il la prend très très bien. Malgré qu'on ait un très bon gardien, ça suffit pas. C'est donc Ouais, l'ouverture bah du pour score, l'instant, 1-0. l'équipe qui encaisse le plus de buts, il mène au score, hein. Oh, le petit Jean Triant qui a failli Bien passer sans là. prendre de risque. Il prend sa chance. Oh là 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 là, mais c'est quoi L'égalisation! ces buts? L'égalisation, Pierre! Ouais, du coup, ils ont Allez! su créer le danger et profiter. On va prendre le dessus. Je vous laisse Oh là là, apprécier cette ce but frappe du sauveur. croisée là. Oh yo yo. En Oh profondeur, là mais là bien là là vu. là. Ah, La pourquoi il a passe en passé derrière? profondeur. Oh là là, ce L'arbitre qui petit tire ballon! son cloche. Oh Jules Koundé qui là là! marque. Mais oui! Oh là là, mais ce ballon donné! Pour son engagement. Oh là Oh là, maintenant ils vont peut-être leur regardez-moi mettre une valise en oh ce rentrant. petit ballon! Oh là 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 là, et plus derrière. Je suis Ah hors oui, il jeu. cherche un Je partout suis dans hors la jeu, je suis hors profondeur. jeu. Oh le hors jeu de ouf! Petit aveu d'impuissance. Oh la Oh! frappe, mais qui manque de peu le cadre. C'était osé, mais ça a failli payer. Au ralenti de cette action, finalement le ballon qui. Allez, seconde période. Et je La pense seconde qu'on période sera qui reprend à attaquant l'instant. pour le prochain pour Ah, la FIFA passe 20. n'arrivera pas à Voilà, destination. je pense pas du coup en fait passer en tant qu'MOC. C'est juste que je ne sais pas si je serai si je jouerai sur le côté ou si je serai buteur parce qu'en fait j'ai peur que par exemple en signant dans certains clubs je joue milieu gauche Koundé qui quoi. amène.
Bon, faut en mettre hein, quand même un deuxième. Hein. Ah, la bonne qualité. Enfin, faut en mettre un troisième plutôt là, histoire de se mettre bien à l'abri. Allez, le centre maintenant. La frappe. Il faut qu'on fasse attention. Attention de ne pas encaisser de but. Une bonne opportunité, attention. Ouais, sans doute. Oh là 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 là, j'ai eu trop peur. Hein. Pas mal joué, mais c'est manqué. Ouais, pas mal joué, c'est vrai, Hervé. Oh là là, cette frappe. Un peu loin peut-être, quand même. Hein. Ah, c'était bien tenté, mais on ira centrer. 3 minutes de temps additionnel. Allez, le petit centre pour terminer. Le ballon est perdu. Eh ben non. Peut-être une dernière occasion pour Nîmes. Attention, attention, contre à l'opposé. Possibilité de contre-attaque, voyons voir. Heureusement que c'est intercepté ça. Dans l'œuf avec ce ballon perdu. Bon, au final, on a eu chaud quand même. On a eu chaud. On a eu très très chaud. Mais on prend les 3 points. On prend les 3 points, c'est important. Les autres résultats. Alors, le Stade Rennais qui a perdu. Voilà, ça déjà, c'est bon. Au niveau de la Ligue 1, du coup, et bah ça reste encore serré. Hein. Monaco qui, bah, malheureusement, ils sont à 3 points. Mais Marseille, ils sont là. Marseille, ils sont là. Ok. Et en bas du classement, on a toujours Saint-Etienne, hein, Saint-Etienne qui ont vraiment du mal. Je vous dis à très très vite pour la suite de la carrière joueur. N'hésite pas du coup à mettre le petit pouce bleu. Et bah très très vite. Ciao tout le monde.